Là-bas, il y a la cabane avec les chevaux, et ben on va y aller, on va négocier là sur place. Bon, moi j'étais à deux doigts de réussir, sauf qu'ils voulaient me faire payer un tour vraiment privé, parce que je suis tout seul, mais à 140 dollars au lieu de 70. Du coup là ça commence à devenir un peu trop cher pour moi. Ce soir, on dort dans un tipi. Petite visite du nid. Une table avec de l'électricité. Un ventilateur qui souffle de l'air pour faire du froid. Deux petites pierres pour mettre quelques nids d'araignées. Un matelas dégueulasse avec plein de taches dessus. Alors soit il y a eu quelqu'un d'incontinent ou soit il y a une fille qui a vachement mouillé. Je suis content d'être pas venu un jour de pluie. Maintenant on va aller voir ça de plus près. On commence par de la bête qui fait peur. Une chèvre de montagne. Une si grande cage pour un écureuil et un corbeau. Non je rigole, c'était pour un loup. Un emboutillage à l'enclos des bisons. Comment il est rentré là-dedans? J'ai battu mon record, je me suis levé à 2h30 pour venir au Grand Canyon et assister au lever du soleil. Les gens se contentent de visiter le Grand Canyon par ses points de vue. Nous on va visiter les entrailles. Le piège du Grand Canyon c'est que ça commence par une grande descente et que beaucoup n'ont plus la force de remonter. Et beaucoup de gens meurent en fait. Ça donne envie de sauter, non? Maintenant, on va remonter. Ce sera moins drôle, là. Je suis trop content, j'ai trouvé enfin une bête. Quand je vous disais que j'étais tenace, je vais l'avoir, mon tour à cheval.
bien commencer une journée le matin, prenez deux barres de protéines qui viennent du 7-Eleven. Des essais de pantalons de filles. Je sais pas ce que vous croyez.